Comment les choses se sont déroulées? Bah honnêtement, Bamako, j'étais agréablement surpris, ah. pour dire la vérité. Et le concert, c'était top. C'est top, n'est-ce pas? C'est hyper bien passé. Franchement, rien à dire. Ah, mashallah, parce que nous, vous savez, on vous suit depuis très... C'est tout le Mali vous suit. Ouais. Donc, votre première impression depuis l'aéroport jusqu'à au lieu du concert, l'initiateur de ce projet, de ce concert et puis tout ça? Bah, franchement, bonne ambiance. On a hyper bien été accueillis. Et au niveau de la sécurité, c'était top. C'est top. Ouais, franchement. Ça fait quoi d'être le garde rapproché d'un artiste? Bah, c'est valorisant. C'est valorisant. Parce que c'est un grand artiste aujourd'hui. Hein. N'est-ce pas? D'accord. Moi, je me suis approché de Nino, vous m'avez poussé. C'est-à-dire que je suis allé me retrouver jusqu'à l'autre côté de la rue. Ah, mais franchement, mais j'espère que demain, Inch'Allah, on va se voir pour. Parce qu'on a tellement de questions à vous poser. Ouais. Vous avez assuré, c'est-à-dire voir un artiste faire plus de 2 heures, 3 heures sur la scène. Si ce n'est pas Nino d'abord, les autres artistes, on n'a pas vu ça au Mali pour le moment. Donc, on est très, très content. Et on vous le dit, il s'appelle, votre nom déjà, cool. Désolé. Koun. Koun, ouais. C'est quelle nationalité? Sénégalais. Ah, vous êtes Sénégalais? C'est ça, exactement. C'est, comment on dit bonjour même? Nagadef. Nagadef. Ah, ben voilà, voilà. Ok, on est ensemble, champion. Okay. Ok, merci bien. Merci. D'accord, ok, merci. Ça marche.